ce qu'il fallait. Maintenant, on est passé, c'est plus important. Maintenant, on va attendre le tirage mardi. Et nous, on va travailler sur le prochain match qui arrive juste franchement. Bon, vous avez été sérieux hein, face à cette équipe guadeloupéenne. Oui, on a été sérieux malgré que début de match, on s'est mis en difficulté tout seul en prenant ce but. Mais après, on a su relever la tête et travailler tous ensemble et montrer qu'on était fort collectivement. 3-1, vous avez fait le plus dur à la mi-temps ? Oui, c'était le plus dur. On a fait. Enfin, en perdant 1-0 dès le début de match et en gagnant 3 à la mi-temps, bon, c'est toujours positif. C'est toujours positif de retourner le match comme ça dans cette situation. Mais après, voilà. Bon, c'est une équipe qui vous a donné du fil à retordre, mine de rien. Ils sont pas habitués à ces conditions météo. Oui, après, je pense que voilà, je pense qu'à un moment donné, faut qu'on prenne le match un petit peu plus sérieusement parce que même ça nous fait défaut aussi en championnat. Mais voilà, après, on a su relever la tête, comme l'a dit Jean-Emmas, on a été sérieux et puis on a mis les buts qu'il fallait. Et puis maintenant, le principal, c'est la qualification et maintenant, on verra mardi. Bon, c'est un match que vous tenez à cœur quand même, c'était sympa à jouer. Oui, moi, parce que voilà, je suis guadeloupéen et ça me tenait à cœur de jouer contre eux et de gagner. Après, je remercie aussi tous mes coéquipiers parce qu'ils ont joué aussi, ils ont fait aussi le match pour moi parce que ça me tenait à cœur. Je les remercie beaucoup et puis voilà. Il y a une belle ambiance dans les tribunes, là, les Guadeloupéens ont montré qu'ils étaient là. Hein. Toujours, ils aiment la fête, c'est comme ça et puis tant mieux. Bon, pour conclure, les gars, qu'est-ce qu'on veut au 8e tour ? Allez, on se mouille. On prendra ce qui viendra. Hein. On travaillera pour ça et on sera prêt. On veut encore un petit dans l'idéal ou on veut prendre un gros ? On prendra ce qui va venir. Pour le moment, on va se concentrer au championnat déjà, à partir de la semaine prochaine. Puis voilà, après on verra pour la Coupe de France, on prendra ce qui va venir. Faut que ce soit à la maison, c'est ça quoi. Ouais, si on peut aller dans les dom-toms, ce serait bien.